Bonjour à tous! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Pour vous introduire un petit peu le truc, je sais pas si vous avez suivi, mais je travaille plus dans la communication. Genre vraiment, j'ai un peu give up cette partie-là de ma life parce que bah, j'en avais marre d'être tout le temps sur les écrans. J'avoue, ça m'oppressait. Je suis venue aussi au Canada pour tester plein de trucs. Et en ce moment, je travaille dans un café pâtisserie. Et franchement, j'adore. Je me suis découverte une nouvelle passion, les gars. Je vais vous faire découvrir un petit peu l'endroit où je travaille. Je vais manger pendant 24 heures dans ce café pâtisserie. Donc je vais vous faire découvrir un petit peu les trucs que je fais et que je mange. En gros, j'ai le droit de prendre tout ce qui n'est pas vendu la journée. Un peu à la Tukutuko. Donc j'ai ramené des madeleines pour ce matin, des muffins banane chocolat. Là j'avais une montagne de cookies, bon comme vous pouvez voir, il en reste qu'un. En vrai ils sont bons les cookies je trouve, c'est vrai. Hein. Et j'avais ramené deux croissants. Voilà, donc du coup ça nous fait notre petit déj du matin. Comment sont les madeleines Lulu? Elle adore les madeleines Lulu. Mais du coup je pense qu'ils vont plus en pouvoir parce que je ramène tout le temps des trucs à manger. Et là c'est à la fleur d'oranger. Donc je vais juste goûter un bout de croissant, mais de toute façon je sais qu'ils sont très bons. Muffins banane chocolat. Moi j'adore ces muffins banane chocolat. Ensuite on a une madeleine. Ah Bebs, qu'est-ce qui t'arrive? T'es chalette? Bah mais... Pardon, je suis trop... Mais gros, il y a plus de respect. Zéro effort sur ma vie. Bah, tant mieux en vrai. Mais après le truc c'est qu'il n'y a aucune essence. Donc je peux pas être critique sur, sur ça parce que j'avoue je l'ai fait. Donc du coup j'aime. Mais vous en pensez quoi? Lulu fan des madeleines, du coup toi tu préfères quoi? Croissant, cookie. Moi j'aime bien les muffins banane. Les muffins banane choco, ouais. Les gars, je suis en direction du taf. Je suis désolée, j'ai pris mon iPhone, c'est plus facile pour filmer. L'avantage c'est que je travaille à vraiment 10 minutes à pied du travail, du café. Et donc ça n'a pas de prix. Je vous jure, j'ai jamais été au travail à pied. Première fois de ma life, j'adore. Ça change tout hein, quand t'as pas de trajet, tu vis ça vraiment mieux. Vite! J'ai un vélo qui arrive. On va aller déguster ensemble le repas du midi. Bon, je vais travailler en même temps, mais j'ai le droit de manger la pâtisserie en tout cas. Je viens d'arriver au café. Voilà, je commence par mettre mon petit tablier. Pour l'instant, bon, je viens d'arriver, je regarde mes tâches à faire, etc. Et je mangerai un petit peu plus tard parce que j'ai pas très faim. Vous pouvez voir, je suis pleine de farine. Parce que j'ai fait des fonçages salés, j'ai fait des sablés bretons. Sachant que en fait, la pâtisserie, elle est un peu spécialisée Bretagne. Bretagne représente au Canada, à Montréal. Là, je vais manger. Alors, j'ai le choix. Soit je fais une galette salée, soit je mange un sandwich végé, soit une quiche poireau, soit une salade. Et en dessert, je sais pas trop, je sais pas quoi faire. J'ai faim. J'ai envie d'un peu de tout en fait. Regardez mes petits sablés bretons. Voilà. Là, je vais les mettre à cuire. Et après, il y aura un fourrage à faire. Je vais vous montrer un petit peu le comptoir. Il y a tout ça qui est exposé à la vente. Vous avez les quiches, les croque-monsieur, les croissants salés. Les sandwichs, les salades, les tartes citron. Les tartes citron, c'est moi, je les ai faites. Et voilà. Donc là, je pense que je vais me faire plutôt une galette parce qu'il n'y a plus grand-chose en quiche, en sandwich et en salade. Donc je préfère laisser pour les clients. Galette, bon, on en a fait assez d'avance et je peux en refaire aussi cet après-midi. Après, vraiment, j'essaye de manger en fonction de ce qui ne va pas trop se vendre pour pas voilà, que les clients manquent de quoi que ce soit. On est vendredi, donc en général, ce qui part vraiment... La semaine, c'est tout ce qui est salade, sandwich. Les galettes, c'est plus le week-end. Donc c'est pour ça que je vais faire une petite galette là, parce qu'on en a assez. Et après, en dessert, je pense que j'ai mangé une crêpe. Elle en a fait ce matin là. Je veux crever, je veux crever. Je me suis brûlée le pouce. J'ai pris la crêpière comme ça. Non mais comme ça, comme si elle était pas chaude. J'ai trop mal. Depuis que je suis ici, je vous jure, j'ai découvert une passion pour les poireaux. Ça trop bon. Vraiment, quand tu sais les cuire, les poireaux, en fait, c'est archi bon. Mmh. Vas-y, je vais la manger. À la main. C'est une dinguerie. Vous ne trouvez pas qu'il n'y a rien de mieux que de manger à la main? Franchement, ma passion. La crêpe, donc je vais faire une crêpe sucrée en dessert. Elle sent la vraie crêpe. Vous savez, les crêpes que vous retrouvez en Bretagne, ça sent ça. J'ai jamais goûté caramel. J'ai goûté confiture, choco-noisette. J'hésite à faire beurre-sucre ou caramel. Ou ça va partir en caramel. Ouh loulouloulouloulou. Là, j'ai fait chauffer le caramel parce qu'il était un peu dur. Ciao, tueur. Oh non.
plus, j'en peux plus. Non mais moi, je sais pas, c'est pas possible. Je vous jure, les gars, m'engagez pas. Je m'engageais pas, c'est une catastrophe. C'est quoi ce truc? Ça donne quoi cette crêpe là? C'est exactement pour ça que je mange jamais la crêpe dans le sens là. Moi, je mange toujours dans l'autre sens. Il y en a qui mangent dans l'autre sens, enfin dans le sens là. Je sais pas si c'est très clair. Là, je peux continuer ma journée avec le ventre plein. Je vais continuer les petits gâteaux et on se dit à tout à l'heure pour le goûter. Les amis, alors je suis désolée, on a un autre jour. Et c'est pour ça que j'ai pas pu sortir ma vidéo lundi comme d'habitude. Quand je suis sortie du travail là, le jour où j'ai filmé, et j'ai complètement oublié de prendre à manger pour le soir et le goûter. Je suis épuisée. Écoutez, il y a quelqu'un qui a démissionné là. Je vous raconte ma life. Quelqu'un qui a démissionné. Du coup, j'ai pris ses shifts. Je fais 6h-17h. 6h du matin, 17h. Je kiffe tellement. Mais par contre, là, je suis éreintée. Hein. Là, me demandez plus rien. Là, je peux plus rien faire. À part goûter. Et c'est ce qu'on va faire. On va goûter ce que j'ai pris. J'ai pris un croissant et un muffin. Alors du coup, le muffin que j'avais pris l'année dernière, c'était banane chocolat. Et là, c'est blueberry. Donc c'est myrtille. Alors moi, il faut savoir que je suis pas une grosse fan de blueberry. Mais j'ai envie de goûter, là. Ces muffins, je les fais tous les jours et je les ai jamais goûtés. C'est pas mal. Vraiment, cette recette de muffin, elle est incroyable. En général, bah comme je vous ai dit, quand je ramène des trucs comme ça, je laisse pour les autres. Même si la journée, j'en mange pas du tout. Hein. Regardez le croissant, comme il est trop beau. Ils sont bons. Franchement, ils sont bons. Ils sont très bons. Franchement, il fait beau, ça fait plaisir. Oh, la tronche. Repas du soir, bonsoir. Alors, nous avons quiche, poireau, chèvre, et voilà, c'est tout. Salade, chèvre, tomate, noix, et j'ai fait une sauce. Donc tout ça, c'est ce qu'on vend au café, évidemment. Et franchement, ça fait du bien. Manger une salade le soir, là, le kiff. J'en mange tous les jours. Tous les jours. Mais je pense que je vais me dégoûter un peu de la quiche. On va mettre un peu de moutarde avec la quiche. J'adore. Ma vie. Hop, hop, hop. Vraiment, on en parle de ma tête. Ma vie. Je suis tellement fatiguée que je sais même pas... J'arrive même pas à parler. Regardez, pour le dessert, j'ai quoi? C'est moi, j'ai fait. Elle est excellente. C'est pas mal. Je suis forte en pâtissière. Et c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez kiffé rentrer un petit peu dans ma nouvelle life. Vous ne devez plus en pouvoir de moi. Je change tout le temps de life. Un coup, je travaille dans la com. Un coup, je travaille dans un café. Un coup, j'habite à Paris. Un coup, j'habite au Canada. Dès que je sens qu'il faut que je change les choses... Je le fais, j'essaie des trucs et puis voilà. Mais en tout cas, moi je kiffe. Je kiffe de ouf, j'espère que vous avez kiffé aussi. Indice pour la vidéo de la semaine prochaine, j'ai fait des courses chez IKEA. Donc ceux qui ont une petite idée de ma prochaine vidéo, écrivez-le moi en commentaire. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine. Merci encore de me suivre. N'hésitez pas à vous abonner ceux qui ne sont pas abonnés, ça me donne énormément de force, de courage. On se retrouve très vite, je vous aime fort, je pense fort à vous. Love you.